Bah coupe-le. Voilà le mixeur de volume. Discord à balle, sur Teams, moins fort. C'est vrai qu'elle est super rigolote l'image que t'as mise. Ah t'as vu? Je trouve pas d'image rigolote. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre deux fois le son? C'est parce que je bégaye. Non, j'entends le son du jeu deux fois, il m'a lancé deux fois le jeu ou quoi ce con? Ah si possible. J'entends tous les sons deux fois. Est-ce que je te vois en ligne? Ouais. Ah, j'ai oublié de changer les titres. Et du coup, j'ai mon pote qui me fait apparemment on refait un live du P2P, mon podcast. Eh ben non, je me suis trompé. Sur quoi? Ah, mais sur Twitch. Enfin, ouais. Ou sur... Et même sur YouTube. Putain, il est réactif. Ah, il a dû recevoir une notif. Effectivement, je fais les choses dans le désordre, et alors, c'est bon. Voilà. Voilà, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Par contre, faut que je te re-rejoigne, du coup, parce qu'il m'a viré. Enfin, il m'a dit le serveur marche pas. Alors, attends, je te réinvite. Bah, si tu peux... Bah non, de toute façon, ça va faire pareil, ça va juste m'ouvrir le Xbox Live. Et après, je dois quand même cliquer à la main pour te rejoindre, donc... Ah non, ah ouais, ça marche, là. Ah, parce que t'avais pas le jeu lancé tout à l'heure, je pense. Peut-être, mais c'est quand même con qu'il te lance pas le jeu et qu'il te lance le Xbox Live. Oui, ah, c'est Microsoft, c'est... mais par contre, t'as accepté? Ouais. Ah, ça y est. Ouais, mais il met son petit temps, attends. Par contre, j'ai pas de bouton level encre, c'est normal? Ouais, c'est moi qui l'ai, vu que okay. Je suis capitaine. Putain, le gars est capitaine. Bah ouais, ouais, moi ça... Échec du matchmaking. Ah putain de saloperie de sa race! Ah bah c'est toi qui es capitaine maintenant. Allez, level encre. Échec du matchmaking... Non, c'est bon, là il... Il tente. Il tente de se connecter. Donc du coup, le son du jeu... Putain, échec du matchmaking. J'aurais peut-être pas dû couper le téléchargement de PUBG. Hein. Arrête d'échequer le matchmaking. En plus, je regardais un mec qui était en train de jouer et il avait pas de problème, lui. Ouais, mais il était peut-être sur un serveur américain. Non, 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 c'est un français. Moi, je sais même pas s'il y a des serveurs par région, d'ailleurs. Je sais pas. Mais c'est peut-être pour ça que ça plante. Échec du matchmaking. Saloperie. Et il me dit Bronzebeard à chaque fois. Ouais, mais putain, ils ont publié un tweet il y a 3 heures pour dire qu'ils avaient des problèmes et qu'ils étaient en train d'investiguer. Ouais, excusez-moi, mais... Faut pas investiguer, faut régler le problème. Ah ouais, là, c'est fini les investigations. Hein. Il faut aller voir enquête exclusive. Hein. Ah non, c'était cache investigation, c'est ça la blague. Je me plais. Ah ouais. Ah, c'est mieux. Bon, vas-y, relance le téléchargement de PUBG en attendant, on sait jamais. Ah, là, t'as quitté la... Non, non. Ah, bah si, tiens, il m'a viré. Alors attends, je te réinvite. En fait, c'est juste les serveurs de matchmaking, je pense, qui sont moisis. C'est dommage parce que c'est eux qui font les matchs, quoi. Putain, mais il m'a rouvert Xbox Live et il m'a pas réinvité. Ah si, c'est bon, vous êtes en train de rejoindre une partie. En attente du départ. Allez. On y croit. Échec du matchmaking. C'est dommage. Ah, je voulais spammer, j'ai spammé la gueule. T'as relancé PUBG? Non, je vais le faire. Est-ce que j'ai Steam déjà quelque part? Oui. Eh ben oui, mais en fait il m'a installé Steam sur le mauvais disque aussi, c'est trop de balles. Impossible d'ajouter un nouveau dossier Steam, je te demande pas d'ajouter un nouveau dossier Steam, je te demande d'ajouter un dossier, le dossier qui existe déjà, connard. Putain, je vais me faire engueuler parce que j'ai déjà le jeu installé en fait. Steam il est pas content. Bah oui, mais j'y peux rien, je t'ai désinstallé pour rien. Reviens.
Mais comment tu t'es démerdé pour tout désinstaller, c'est chelou. Bah en fait j'avais un gros dossier de 1 giga qui s'appelait C-Programs, Program Files. Et je me suis dit bah ça existe pas Programs, Program Files, c'est soit l'un soit l'autre. Et du coup je l'ai supprimé, en fait c'était Steam qui s'est installé là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ah bah donc tu dois toujours avoir les jeux normalement. Bah oui, mais c'est ce que je te dis en fait quand j'essaye de... C'est ce que je disais à l'instant, quand j'essaye de lui dire de sélectionner le dossier, il me dit je m'en fous. Il me dit je veux pas de ton dossier, il y a déjà un dossier, moi je veux créer mon propre dossier. Albater. Du coup, bah il va créer son propre dossier. Et moi après je vais tout déplacer dedans. Ah ouais, parce que là, Sea of Steel, ça a l'air un peu... Il nous a encore jeté là. Bah écoute, ouais, et moi quand je fais invité, ça marche pas. Attends. Attends, c'est 1 ou 2? Ah non, c'est 1. Ah bah, bon, j'accepte ton invitation. Ah ouais, je t'ai invité. Bon, de toute façon, il a dû finir de DL là, ton truc. Non, il commence à peine en fait. Alors, foiré. Il commence parce qu'il attribue l'espace disque d'abord. Puis si on réussit à le lancer, moi je préfère. La mère des voleurs, hein. Ah ouais, mais là... Ah, le vache de l'encre. Faut espérer qu'on soit... Quoi, t'as été déconnecté? Non, non, c'est bon. Ah, tu jouissais? Ouais. Après, faut espérer qu'il nous déconnecte pas pendant, quoi. Ouais. Il l'a fait aussi cet après-midi. J'avais le bateau blindé de coffres, et à un moment, je me suis mis à voler. Bien. C'était assez rigolo. Enfin, rigolo, non, parce qu'après il m'a déconnecté et du coup j'ai tout paumé, mais. Bah, du coup, j'ai mis en pause le téléchargement de la mer des voleurs. Yas! Ah, il siffle, il est fou! Ça fait mal aux oreilles! Un peu. Bon, j'ai essayé de mettre allez, un écran, mais ça marchait pas. On prend des planches, on prend des bananes, on prend des boulets de canon. Je suis pas connecté. Me dis pas quoi. Putain, on a la tempête qui arrive. Alors ça, c'est vraiment pas de chance, hein. Ah, je crois que t'es... Ou alors, ah non, mais peut-être que j'ai une fenêtre de live ouverte et c'est pour ça que j'entendais le truc en double. Peut-être que je suis un connard. Bah non. Ah, peut-être que tu n'as rien compris. Ou alors c'est parce que t'as le chat en jeu qui est activé. Parce que je t'entends à moitié en double. Paramètre audio, paramètre audio. Bah non, mais pourquoi je t'entends en double? Bah je sais pas moi. Ah ouais, je t'entends vraiment en double. Oh, attends, je vais... Attends, si je coupe le son du jeu. Hello. Bah là, je t'entends pas en double. Vas-y. Oh, c'est bizarre. Vas-y, reparle. 1, 2, 1, 2. Non. Allo, allo. Non, je t'entends pas en double. Si je remonte le son du jeu... Vas-y. Ah, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même, ça. Parce que... Ou alors t'as le... Bah non, pourtant, je suis en push tool talk. Bah attends là, j'ai l'impression que ça le fait plus. Ah. Ah. Ouais non, ça le fait plus. Bah écoute, je sais pas. Du coup, c'était très étrange. Effectivement, la mystérieuse personne, elle te met des doigts et elle te dit maintenant faut être niveau 10. Ouais. Ouais. Effectivement, il est un peu relou. Effectivement, il faut faire des choses. Alors, faut essayer de récupérer des bananes, des trucs là, des planches, des bouées de canon, des bananes. J'en ai pris un peu, j'imagine que t'as fait cela déjà. Voilà, après, ouais, on a tout fait. Ah! Ah, j'y suis tombé! Tiens, par contre, j'ai pas de quête. Moi j'en ai. Tu veux faire des quêtes quoi? Bah, je crois qu'il m'en reste.
J'étais parti pour faire des trucs de commerce, il me semble, parce que j'étais pas encore assez monté dessus. Mais non, finalement, en fait, ça va. Donc, peut-être plus un crâne. J'en ai proposé un. Alors. Ok, attends, parce que je peux accéder au niveau suivant des quêtes de crâne, donc ça peut être pas mal. Donc j'en prends une, comme ça on la fera après. C'est lequel le niveau suivant? C'est le niveau 4 milliards? Ouais, à peu près. Hop. Je suis en train de Et. regarder. Donc je vais en prendre une de trésor aussi, comme ça on aura un peu de tout. Mettons un peu partout. Ouais, bah, à part des planches qu'on a déjà. Perfect. Bonsoir Et... Stuffcore, qui dit bonsoir sur le live. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai failli tomber. Et si, c'est bon, je suis tombé. Et c'est bon, je me suis rattrapé à l'échelle. Et c'est bon, tout T'as va pas bien. voté. T'as pas voté pour le voyage. Ah, parce que moi, je vote pas pour mes propres voyages. Je laisse les gens voter Ah ouais. avant. Alors, c'est quoi? Alors, lookout point et Old Salt Atoll. Je les connais Oula. pas, ces deux-là. Je les ai jamais vus. Bah ouais, j'avoue. Bah ils sont pas loin, ça va. Tac tac tac, c'est bon. Allez go. On a commencé plus à gauche aussi, c'est sûrement pour ça. On a commencé quoi? Plus à gauche, comme Mélenchon. Ah ouais, c'est vrai. On a commencé à plunder mes couilles là. Ah oui, il faut une voile. Bah là, il faut que t'ailles à l'ouest. Ah attends. Au sud plutôt. Non, à l'est, l'est. Ah ouais, au sud, ouais, comme ça on commence par la première. Ouais, t'as raison. Moi j'avais bien regardé, hein. C'est bien, c'est bien. Alors, il y a Phil, je sais pas pourquoi, c'est mon meilleur pote Phil, qui dit: voici venu le temps des bites dans les champs qui jettent à tout vent un petit liquide blanc. Enfin, la chanson, quoi. Je sais pas pourquoi il vient chanter ça, et après il dit: c'est tout pour moi, bonne soirée. D'accord. Tu sais que demain je vais passer 5 à 8 heures dans une voiture avec lui, ça va être un peu. Ah ouais, faut t'aller un peu à droite, hein. C'est l'île qui est à droite là ou. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Oh, ça doit être ça. Mon son est plus faible. Eh ben, on va monter mon son. Mais merci de me le dire parce que la dernière fois c'était beaucoup trop pas fort pendant beaucoup trop longtemps. Et du coup, c'était beaucoup trop chiant. Est-ce que là c'est mieux? Faut pas non plus que je hurle, mais est-ce que là c'est mieux? Surtout que j'ai toujours pas réussi à exporter cet épisode. Donc, Ah, toujours pas. bah, j'ai pas réessayé en fait. Mais ça m'avait bien cassé les couilles. Alors, je pense que je vais arriver plutôt dans ce sens-là. Et ensuite, je vais tourner complètement à droite. Et tu lâcheras l'ancre. Et du coup, on sera en mode. Ah, par contre, il faut vraiment que je tourne plus. Ouais, je vais lâcher l'ancre, hein. Ouais. Là, on démonte, je pense, Trop si tard. tu lâches l'ancre. Non, trop tard, trop tard. Ah! Non, on n'a pas touché. On a touché? Oh oui! Oh non, 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 on n'a pas touché. On n'a pas Non, touché. non. Like a boss. Non, non, il y a zéro touchage là. Allez, venez les squelettes! Tu veux qu'on éteigne les lumières avant ou on s'en fout? On s'en fout, on n'a rien à protéger pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. Alors. Bon. Eh bien, allons-y, hein. Où sont-ils? Ah, j'ai trouvé une carte. Hop là. Moi, j'entends des squelettes, donc ils doivent. Ah, ils sont là! Ah, le jeu a lagué, pile au moment où j'aurais dû éviter un coup, merci. Il est sorti d'ici. Je pense que ils naissent dans les arbres. Ils naissent dans les palmiers. C'est des enfants de noix de coco. Ou alors c'est des noix de coco. Je suis en train de Mais faire le pas. tour, hein, parce que je sais pas du tout où est-ce qu'ils Par sont. contre, Il y en avait y a des pas. squelettes ou pas? T'es sûr qu'on est sur la bonne île? Bah non. Ah! T'en as trouvé? J'ai entendu des grognements là. Écoute. Ah, mais attends, c'est tout en haut en fait. Ah, il y a une localisation précise? Tout à fait. Ouais, voilà. J'arrive.
J'ai des boulets de canon donc je suis un peu plus lourd. C'est bizarre qu'on ait pas la musique. Ah oui, mais la musique je l'ai coupée moi, putain. Bah moi non, j'ai pas de musique non plus. Ah, ils sont là. Mais qui me tape là? Pourquoi j'ai mal? Ah, ça y est, j'ai la musique. Pourquoi t'as coupé la musique? Il est fou. Oh putain, ils ont des armes les salauds. Ah, raté. Tête de mort. Eh bah oui hein. Bah oui hein. Ah, ah y'a le capitaine Dominguez. Y'en a deux. Y'a un trou de balle en slip aussi. Ah y'en a deux. Oh, ce que tu lui as mis. Y'en a effectivement deux. On est sur un double crâne hein. Putain mais ça lag hein. T'as du lag toi? Ouais, des fois je peux plus bouger. Ouais bah moi j'ai des... Je pensais que c'était mon PC et que c'était juste... Ça ramait quoi, mais je savais pas que c'était du lag. Ok, y'a mes voisins qui hurlent. Ah. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai une porte c'est sécurité l'anglade. Donc ça va. Par contre le chien est pas... Il est pas serein. Il est pas d'accord. Oui. C'est bon, tout va bien. C'est juste des trous de balles. Oui, bah on a compris. T'es pas content. Le chien est pas content. Et arrête de me lécher les coudes comme ça. Les coudes, hein. Avec un les coudes, ouais. Tiens, tu es lourd. Je t'aime bien, mais tu es lourd. Bon bah tu conduis. Ouais, enfin je le remettais juste droit. Ouais bah c'est bon. Ouais, par contre il faut les voiles là. Putain on a un contre le vent encore, fait chier. On est toujours contre le vent. Mais ouais. Ouais ensuite il va falloir tourner à gauche. Évidemment. Comme d'habitude. Bien sûr, bien sûr. Comme par hasard. Les gens fous. Ah pardon. Calme-toi. Attends, j'essaye de... Ah mais non, mais c'est pas l'île qu'on voit là en fait. C'est après non. Encore. C'est beaucoup plus loin. Ouais mais c'est un peu nul ça, c'est pas distrayant. Comment je fais? Pour? Ah non, je confonds, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais on n'a pas moyen de se voir à la troisième personne, on est obligé de se voir en... Ouais. C'est dommage parce que pour des scènes comme ça, ça serait marrant. Ça serait marrant. Bah ouais, mais le seul moyen c'est de faire des espèces de, d'émoticônes... Genre là, je me vois à la troisième personne. Ouais, mais tu peux pas jouer en même temps du coup, donc... On peut pas se voir... Ouais. C'est pas du tout cette île, hein, faut qu'on tourne. Ouais, je la... Cela dit, elle a l'air la cool. Contourner, t'inquiète. Faudra qu'on aille la voir, un de ces quatre. Elle a l'air cool. Bah attends, elle est stylée. Ah mais c'est pas celle où il y a une espèce de lagon au milieu là? Bah sûrement, ça fait des cercles. Ouais, c'est ça, ouais, putain. J'ai eu une quête de coffre l'autre jour dessus là, j'ai trop galéré. On joue la guitare? Ah, attends. Il faut... Salut André. Il y a un Jay qui dit bonjour. Il dit yo. Bonjour! Il dit yo-ho, Captain! Attends, bah je vais prendre l'autre. Qu'on fasse un duo. Il est punchy ce duo. Oui, on peut faire les deux en même temps. Ah ouais?
Par contre, tu peux pas conduire et jouer en même temps. De toute façon, c'est en face. Ouais, ouais, normalement, on est bon là. C'est marrant quand même cette petite musique. C'est bien fait, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais Ah, mais moi, depuis tout à l'heure, je joue dans le vide en fait. Regarde. Ça fait pas de musique. Bah, comment ça se fait? Bah, je sais pas. C'est un accordéon troué, quoi. Comment ça se fait? Il y a. Le Assassin's Creed 4, Black Flag, c'était avec des pirates. Ouais. Et tu. Bah là, c'était vachement moins réaliste. Enfin, disons que t'étais aussi dans le bateau et tout, mais quand tu conduisais le bateau, en fait, tu dézoomais et tu dirigeais le bateau. Et tu pouvais choisir les chants pirates. En fait, tu pouvais faire allez-y, chanter. Et tu pouvais faire vas-y, changer de chanson, etc. Et du coup, c'était marrant parce que t'avais plein de chansons pirates à la con qui apparemment étaient des vraies chansons pirates qu'ils avaient retrouvées avec des vieilles partitions et des vieux trucs. D'accord. Je l'ai pas fait celui-là donc. Moi, je vais mettre. Je relève un peu la voile. Parce qu'il y avait les pirates. J'aime les pirates. Des pirates! Moi j'aime les pirates. Je sais pas si t'as vu Black Sails. C'était une série avec des pirates. Nine, je l'ai pas regardé encore. Bah elle est bien. Ouais. Oui, tu faisais. Il y a Angé qui dit que tu faisais plus de trucs dans Black Flag. Bah ça restait un Assassin's Creed quand même. Mais ce qui était cool, c'était les virées en bateau quoi. Elles étaient vraiment bien et tu pouvais faire des abordages et ce genre de choses. C'était peut-être un peu trop tôt. Trop tôt là encore là. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est. Allez. Mais c'est vrai que les chants, moi j'avais récupéré une playlist et je les écoutais sur YouTube de temps en temps quoi. Mais c'était génial parce que tu pouvais aborder les bateaux, tu les défonçais, après tu pouvais soit épargner les moussaillons quoi, enfin le capitaine et tout. Et du coup il rejoignait ton équipage, épargner l'équipage. Soit tu descendais l'équipage, enfin tu les butais et ou t'en tuais la moitié ou tu revendais les trucs, tu récupérais des ressources, enfin c'était vraiment sympa. Et ils avaient fait un jeu mobile avec qui était connecté au truc. Tu pouvais gérer une flotte de bateaux, et ils allaient chercher des ressources pour toi, et quand tu relançais le jeu, et ben tu avais les ressources qui repopaient. Enfin qui arrivaient dans ton jeu. Ouais d'accord, c'est bon ça. Bah c'était bien fait ouais. Et c'était un espèce de mini-jeu à la con, tu sais, où c'était genre, t'as 3 frégates, et t'envoyais les 3 frégates sur 3 missions, et tu devais attendre 3 quarts d'heure ou 1 heure avant qu'elles repop, enfin qu'elles reviennent, quoi. Comme ouais. N'importe quel jeu mobile. Mais du coup, étant donné que tu gagnais des trucs dans ton jeu, pour ton jeu le soir quand tu rentres chez toi, bah c'était pas mal. Il y a le chef qui arrive là, et moi il faut que je mange une banane, et je n'ai pas de banane. Je vais voir s'il y en a dans le coin. Non, c'est les boulets de canon ça. Je suis en train de lui mettre la saucée là au capitaine. Bah tu fais bien parce que moi j'ai rien à manger et je suis pas bien. Bah je suis pas bien écoute. Y'a un mec qui te tape. Oh ! Il est fou lui. Je mangerai sur le bateau. C'est joli là ce morceau d'épave. Ah mais y'a un deuxième crâne là. Ah bon ouais. Bah. Ouais vas-y fais un tour vite fait voir s'il y a pas des trucs à ramasser. Angé demande si c'est un meilleur jeu pirate que Sea of Thieves. Bah c'était très différent en fait, Black Flag ça a rien à voir. C'est pas le même type de jeu. Et justement dans Assassin's Creed c'était surtout un Assassin's Creed. C'était pas un jeu de pirate en soi, c'était plus du bonus le côté pirate. Enfin c'était part de l'histoire mais c'était pas le but du jeu, c'était pas d'accoster les bateaux et de les aborder et tout. Et Steph Core demande si j'ai fait Assassin's Creed Origins. Je l'ai fait. Enfin, je l'ai pas fait. Je l'ai commencé. Et j'ai dû faire un tiers du jeu. Et j'ai aucune empathie pour le personnage. Et il me saoule. Et l'histoire me saoule. Et j'ai l'impression que rien n'est vraiment fini dans ce jeu. Et qu'à part un gros open world, il n'y a rien de très intéressant. Du coup, je l'ai pas continué. Et je le recontinuerai plus tard quand j'aurai la motivation. Il y a une échelle pour monter en haut, mais il n'y a rien en haut. Ouais, mais moi j'ai trouvé un coffre, je l'ai déjà fait déjà. Ah ouais? Ouais, j'ai laissé mon crâne sur la plage devant le bateau là, je ramène le coffre. Ah putain, j'étais con. Pourquoi le chien boit encore?
J'ai sauté du bateau alors que j'ai à peine de vie, j'ai failli crever. Et toi, Sylvain, t'as pas fait Origins? Non. T'en as fait les Assassin's Creed ou... J'en ai fait un, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Je suis pas vraiment fan de ce genre de truc. Mais... J'en ai fait un parce qu'il était gratos. Je sais plus le nom. Il y en a un là qui était gratos il y a pas longtemps. Ouais, bah c'est ça. Je sais plus lequel c'est. Mais je m'en souviens même plus, tu vois. Bah après, ils sont très inégaux, je trouve. Il y en a qui étaient très bien et il y en a où je me suis vraiment fait chier. En fait, il y en a. Les tout premiers étaient vraiment très bien. Enfin, le premier était lourd, mais le 2, 2,5, 2, 3 quarts, 2, presque 3, était très bien. Ouais, parce qu'ils ont fait Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, et je crois que j'en ai oublié un au milieu, je me souviens plus. Mais enfin, ils en ont fait plein. Et du coup... T'as ramené le crâne, là? Bah non, je pensais que tu l'avais ramené toi, du coup, je sais pas où il est. Parce que le crâne que tu portais. Ah, celui que... le mien, oui. Ah ouais, ok. Bah oui, je l'ai ramené, ouais. Il se casse sans moi. Non, non, je me casse pas, là. C'est juste que t'avais laissé la barre... Et... Sur Tournet. Et après, ils ont fait Assassin's Creed 3... Enfin, après, ils se sont mis à faire un jeu par an et c'est devenu de la merde, quoi. Parce qu'ils avaient plus le temps de faire les trucs. Quoi. Ah ouais, mais ça. Mais le dernier qu'ils ont sorti, c'est un open world immense dans une Égypte antique. On va se prendre le rocher. Non. Ouais. Si j'avais pas tourné, on se le serait pris quand même, je pense. Non, ça passait large. Donc du coup, c'est dans une Égypte antique, un open world gigantesque, hyper beau, hyper cool et tout. Et en fait, le jeu est fabuleux techniquement et tout. Tout est super bien fait, les personnages sont super bien faits. Il y a de la vie partout, c'est impressionnant. Mais moi, l'histoire, en fait, elle me fait chier. Ah. Ouais, bah là déjà, enfin, si t'accroches pas à ça... En fait, c'est pas qu'elle me fait chier, c'est que j'ai l'impression qu'elle est... du même niveau que tout le reste. Et du coup, ça m'incite pas à la faire. Et comme du coup, je peux autant faire l'histoire principale que des quêtes à... Oui, c'est une jolie carte. Autant faire l'histoire principale que les quêtes à côté. Je vois pas trop l'intérêt de faire l'histoire principale vu que les quêtes à côté, elles sont du même niveau que l'histoire principale, quoi. Donc du coup, en fait, tout est du même niveau et tout paraît plat. Du coup, on ramène d'abord les trucs avant de faire cette carte que t'as trouvée. Et ouais, parce que du coup c'est sur la route donc. Putain, on n'a pas croisé une seule épave. Mais en fait, il y a le jeu The Witcher qui est connu pour. J'ai entendu plein de gens dire The Witcher, il est génial parce que les quêtes annexes elles sont tellement bonnes que des fois t'as l'impression de faire la quête principale et tu te rends compte à la fin qu'en fait c'était une quête annexe et que t'étais plus en train de faire la quête principale. Et en fait, je trouve que Origins, c'est totalement, enfin, c'est complètement l'inverse. T'as l'impression de que tout ce que tu fais, c'est des quêtes annexes et qu'il y en a aucune qui est vraiment assez forte pour que ce soit l'histoire principale, quoi. Enfin, c'est pas vrai parce que l'histoire principale, il y a quand même des gros moments scénarisés, mais la plupart du temps, c'est quand même super mou. T'arrives dans une ville et tout d'un coup, ils disent ah, est-ce qu'il faudrait aider les habitants? Ah, d'accord, et ben il faut aller voir l'autre qui se fait attaquer par les soldats. Enfin, des histoires à la con que normalement t'as au début d'un jeu, et sauf que là tu l'as dès que t'arrives dans une ville, quoi. Ah, mais je crois que c'est celui-là que j'ai fait. Ça ressemble à. Ah putain, il y a un sloop à l'avant-poste. Ah, mais il se barre. Donc c'est bon. Bah, il se barre ou il vient vers nous, je sais pas. Ah, en fait, il vient vers nous. Ah ouais? Parce que moi je le vois pas du tout. Je crois qu'il cherche la bagarre. La bagarre! Tu veux qu'on le bagarre? Moi je peux chercher un boulet de canon, hein. Est-ce qu'on est bon à la bagarre? Pas trop, mais... Bah au pire, si on coule, on s'en fout, on sera aux côtés de l'avant-poste. Ouais, mais s'il nous coule, il nous pique notre loot. T'es sûr? Ah bah ouais. Si tu coules, en fait, tout ton loot, il flotte à la surface, donc ils peuvent le ramasser et... Ouais, ils peuvent le ramasser, mais si nous on est sortis avant, on peut le récupérer et se casser aussi. Ouais. Tu ah, ils ont relevé leur voile. En fait, ils nous attendent, j'ai l'impression. Super. Bonne ambiance.
Attends, on va les surprendre avec un stratagème de pirate. Et le chien, il est en stress. Regarde bien. Dès qu'il y a un bruit... Ça s'appelle la fuite. Ah non, tu le fais trop bien. Je m'y attendais pas. C'est bon, il y a personne, tout va bien. Ah, ils ont compris, ils nous foncent dessus, tu là. T'as mis des boulets, ouais, très bien. J'ai mis des boulets, ouais. Eh, tu m'as pris pour un boulet ou quoi? Eh! Je sais pas trop hein, s'ils nous foncent dessus, parce que là, ils tournent. Non, mais ils veulent lui couper la route pour pouvoir nous tirer dessus, là. Ah, ouais. Ah non, maintenant, ils reviennent en fond sur nous. Bah, de toute façon, s'ils arrivent de côté, ça nous arrange, quoi. Parce qu'on peut tirer les boulets de canon que de côté. Ouais. Ah, d'ailleurs, mets-toi sur le canon de gauche. Je vais faire un petit virage, là. Sur le canon de gauche? Ok. Ouais. Parce que... Enfin, ouais, voilà. Attends, est-ce qu'il tire ou pas? C'est quoi ces pleutres, là? Putain. Bah non, mais même pas, quoi. En fait, il nous mate à la longue vue. Non. Je sais pas, j'ai vu un truc... Un bout de fumée, mais en fait c'était pas ça. Ouais. Non, c'est l'éclat quand tu regardes à la longue vue en fait. Ok. Attends, parce que j'ose pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Bon, vas-y, on va lui foncer dessus, on va aller. On le def? On va taper! Bon, je me mets de quel côté là? Tu vas arriver de quel côté? Ouais, on sait pas en fait, faut faire le tour. Ouais. Ah, il y a une épave là? Ah non, c'est une île. J'ai rien dit. Bah là, s'il est toujours là, de toute façon, c'est qu'il nous cherche, donc... Ouais, il nous cherche parce qu'il est toujours là. Bah vas-y, prends le canon de droite, là, et fouille en plein les dents. Je vais faire mon possible, parce que je suis pas très bon en visée de canon. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de tirer. Je le tire? Ouais, bah vas-y, essaye de le toucher, hein. Bah, faut... quand on sera aligné. On était pas du tout aligné. Ah, j'étais pas loin, hein. Putain, pas loin, hein. J'ai essayé de prendre en compte la... Non, là, j'étais trop à droite, quand même. Bon, ils se barrent, en fait. Ils sont cons, quoi. Non, je l'ai pas eu. Attends, parce que moi, je vais essayer d'aller poser les coffres. Hein. Ah, ils ont fait demi-tour, non? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font, là. Ah, si, il y a une épave. En fait, là-bas, c'est bien une épave. Attends. Hop, on a remonté la voile. Oui, attends, parce qu'il y a Angelus qui me rappelle qu'il faut que je mange des bananes. Parce que là, j'ai pas de vie du tout, en fait. Eh, merde, elles sont où, les bananes? Ah bah, elles sont là. Après, je me suis dit... En fait, vraiment, au tout début, je me suis dit, est-ce qu'il me traite de banane? Pourquoi? Et après, j'ai fait, ah non, manger une banane. Il quand même personne... Merde, putain! Je peux pas faire les voiles tout à la fois, là. Tu vas réparer? Ils reviennent, ouais. Je vais réparer, mais ils reviennent. Hein. Ils arrivent, là. Bah, vas-y, répare. Ouais, attends. Où sont les plans? J'aimerais bien arrêter le bateau en travers et les attendre, mais... Eh bah, il est où, le trou? Ah, il est là. Ils sont arrêtés, c'est con. Mais je sais pas ce qu'ils font, en fait. Peut-être qu'ils veulent devenir nos amis. Non, là, ils veulent juste nous... Nous def? Ouais. Bah viens, on prend nos coffres, on se casse, enfin on va... Ah non, on a trop de trucs à ramener, ça va être trop chiant. Qu'est-ce que tu fais du coup, tu repars là? Non, non, je vais essayer de nous foutre près du ponton, en travers, comme ça quand ils arrivent, on les... Tu veux que je commence à ramener un truc? Ouais, vas-y, tiens. Non, bah alors je vais pas ramener ça parce que c'est de la merde, je vais plutôt ramener un truc qui vaut cher. Il va peut-être falloir réparer là, j'ai foiré mon approche. Ah bah je suis déjà parti. Ah non, ça va, c'est cool. Pourquoi je peux pas courir avec un truc dans la main? Eh, parce qu'on peut pas. Ok, elle est où la pute? Je parle de la sorcière. J'aime pas les sorcières. Bah je passe sa tente comme d'hab. Trouver la sorcière? Ouais. Bon, ils arrivent ou pas là? En fait, ils se sont... Ils sont mitigés, je crois. Hein. Ouais, ils sont belliqueux, mais pas trop. Ils savent pas, ils se cherchent. Eh, j'ai raté. T'as vendu un truc là? Ouais. On a eu des sous ou pas? Parce que j'ai rien vu, moi. Bah... Non, j'ai rien vu. J'ai vu que ma réputation avait augmenté, mais c'est tout. Ah oui, c'est fâcheux si on vend les trucs et que ça rapporte rien.
J'ai raté. Ils sont toujours là ou... Ben non, je les vois pas, je me demande s'ils ont pas fait le tour de l'île, je sais pas ce qu'ils foutent. Soit ils sont très très cons, soit ils sont très très intelligents et ils sont en train de nous brain complètement. Peut-être qu'ils sont très intelligents et que pendant 2h30 ils vont tourner autour de l'île et nous on n'osera plus jouer. Je crois qu'ils ont fait l'épave là-bas. Ah là, j'ai eu les thunes. Moi je t'avoue que, en fait j'ai pas fait attention tout à l'heure, ça se trouve il y avait de la thune. Je relève l'ancre, mais normalement on va pas partir, hein. Je vais relever la voile. C'est juste pour être prêt à décamper au cas où. Je pense que le mieux c'est le crâne ou le coffre de naufragé. C'est un crâne bien ou pas? C'est des crânes basiques. Bah je sais pas, ça doit être kiff kiff alors. Je ramène le coffre, il est plus près. Ah putain, ils sont là. Ils sont là, ils sont juste devant, de l'autre côté. Ils nous ont brain. On se casse? Ils sont en train de s'échouer, non? Je sais pas. Ils sont près de la... Non, non, on se casse pas, t'es fou. On les def? Bah, on va essayer, mais... Bah, de toute façon, on a deux crânes de merde, là. Hein. Et encore, je peux en ramener un, essayer d'en ramener un. Non, parce que là, ils vont... Vas-y. Tu penses? J'en ramène un, t'en ramènes un. S'il faut, ils vont essayer de vendre des trucs, donc c'est le moment de le buter aussi. Ouais, mais c'est le moment de nous buter aussi. Ouais, bah, c'est pas grave, un crâne abject tout pourri, là. C'est vrai qu'on a... Ah, ils ont relevé leur voile. On a plus que des trucs de merde. On a vendu tout ce qui était cher avant qu'ils arrivent. Voilà. Tu vas aller voir? Ah ouais. Tu fais diversion pendant que je... Il y en a un qui m'a grillé. Hein. Ouais, mais il t'a grillé, il veut te buter ou il t'a grillé bonjour? Non, ah, non, il m'a grillé, il est... Il me tire dessus. Ouais, il est en train de te tirer dessus à toi. Il est tout seul ce con, j'ai l'impression. Enfin, pas encore, mais il me brain, il monte sur le toit. Putain, je suis pas très bon en tir. Hein. Par contre, là où il est con, c'est que j'ai l'impression qu'il a pas de balle. Si. Là où il est con, c'est qu'il y a plus de bateau aussi. Ah, il essaye de... Alors que nous, oui. Et toi, tu vas arriver par derrière, du coup. Non, non, je suis au-dessus du bateau, je l'ai laissé partir. Et je vais le calmer, là, cet enfoiré. Tu vas le calmer où? Tiens bon, paf! Bah, de toute façon, là, il me tue pas. Hein. Ah, mais par contre, lui, il a un sacré mousquet. Mais il va par essayer contre, de... Par contre, il avait rien, sur son... Il a essayé de voler... Il va sur notre bateau? Bah non, je sais pas, là, il saute dans l'eau, il essaye d'aller vers notre bateau. Mais je crois qu'il comprend pas que ça va pas être très efficace. Putain, mais j'arrive pas à l'avoir, je lui fais que lui tirer dessus depuis tout à l'heure. Bon, j'ai plus de balles donc ça va régler le problème. T'as tiré dessus? Ouais, je l'ai tiré dessus. Ah merde, mais... il a réussi à m'avoir. T'es mort? Non. Mais je suis pas loin d'être mort. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris des bananes. Ah, il est mort. Tu l'as eu. Cool! Alors, son bateau a toujours pas coulé, il est là-bas. Comment ça se fait? Bah, parce que j'avais rien pour le niquer, il y avait pas de baril. Donc il va repop sur son bateau. Okay. Il avait rien dedans, il fait chier lui. Il nous attaque, il est à vide. Ah, mais t'es allé voir son bateau? Ouais, en fait j'ai levé son ancre, j'ai sorti sa voile et j'ai laissé son bateau partir. Ah. En espérant qu'il se fracasse sur les rochers, mais c'est pas très efficace. Bon, bah on a tout vendu, nous, non? Non, on a tout vendu. Mais s'il avait rien, on s'en fout. Bah voilà. C'est pas un vrai, hein? Ouais. Bah on a un coffre à aller chercher, donc On a un coffre? Ouais. Attends, je vérifie que c'est bien la bonne île, là, que j'ai choisi. J'arrive. J'essaye de venir en surf. Ah, j'ai pas réussi. Ah, c'était bien pas réussi. C'est bon, je suis là. C'est beau, dis donc, le ciel, quand il fait beau. Et qu'il fait nuit. Ah ouais, il y a une aurore boréale. Ouais. C'est de toute beauté! Et c'est pas une aurore moshéale, hein! Attends, on va aller voir quand même là-bas s'il y a pas moyen de l'achever. Juste pour salopard! Bah ouais! Écoute, les boulets de canon sont toujours chargés. Et il est loin maintenant, il est parti. Je le vois là. Il était pas censé. Non, c'est pas lui qu'on voit là, c'est un caillou, non? Ah oui, t'as raison, c'est un caillou.
Ah, j'ai déverrouillé le succès. Au diable la bienséance, vous avez abattu un adversaire dans le dos avec un tromblon. Ah bon? Ah, il était pas vraiment de dos. Ah, mais attends, on va à l'épave. Bah ouais, il va pas nous faire chier de toute façon, lui là. Mais il y est pas allé déjà, lui, à l'épave? Ouais, je sais pas, je l'ai pas vu s'y arrêter, mais. C'était pas lui qui s'est arrêté à l'épave? Ah, j'ai vu personne s'y arrêter, moi, à l'épave. Bah t'avais pas dit ah mais il va aller pas à un moment donné. Bah je croyais mais en fait non. Ah, bon, il tournait autour de l'île et il avait une technique d'approche très. Très perpendiculaire. Ouais ouais, un peu ptérodactyle tu vois. Je vois un peu le truc. Pas diplodocus mais presque. Ouais, voilà, mais avec des ailes. Ah oui. Comme du poulet. Et un long bec. Non voilà, ça me faisait plaisir. D'accord. C'était d'accord. Pour donner notre position à tout le monde. Bah là-bas il y a un fort, donc tu t'en bats les couilles. Ah il y a un fort, hein, mais là on peut aller, on peut y aller par contre. Bah en face il y a un fort aussi. Avec un event. Ah non pas un fort avec un event, hein, juste un fort. Hein. Un fort nul. Ah ouais, un truc qui sert à rien quoi, d'accord. C'est ça, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit tu t'en bats les couilles. Il y a Angelus qui dit je l'ai pas vu, l'épave U. Par contre là il y a un galion je crois à gauche. Ouais, ouais, hein. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, c'est un galion, ouais. Ah, oui, 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 oui c'est un galion. Et il va venir vers nous. Hein. Il fonce droit sur nous, comme, dirait dans... comme il dirait dans South Park. On fait les parts très vite. Ouais. Mais ça, ça nous effraie pas. Vas-y, on fonce. Ah merde, mais je suis vachement loin en fait. Oh putain, moi je suis tombé de la vigie. Bah, essaye de rapprocher le bateau à la limite. Ok, je vais faire mon pendant possible. Que. Putain, mais je me suis complètement foiré là. Pendant que le galion fonce droit sur nous. C'est vrai, il fonce droit sur nous? Non, je sais pas. Je sais pas, je vais regarder. Je suis occupé à avancer le bateau. Ah, surveille-le d'un œil. Ah, je vais peut-être taper. Écoute, j'ai pas tapé. Mais il y a aucun moyen qu'on reparte sans taper. D'accord, bah si, à l'arrêt, tu tournes la barre à fond. Non, mais là on va frotter, hein. Au mieux on frotte. Ouais, mais si on frotte, c'est pas grave. Elle est vide cette putain d'épave. Le galion se casse. Mais il pourrait venir vers nous plus tard. Non, il se casse. Ah, ouais. Il se casse. Ok. À moins que ce soit pas le même. Beaucoup trop de charisme pour lui. C'est ça. Alors, où est-on? Je ne vois pas notre bateau, j'ai un coffre juste, il y a juste un coffre. Bah, comment tu peux ne pas voir notre bateau? Ah mais non, mais là c'est bon, regarde, relève les voiles à fond, et tu braques tout à droite. Je suis plus à la barre, hein. Je suis en train de regarder... Ah ok, bah je vais m'en occuper, vas-y, surveille les... Ouais, parce qu'en fait c'était pas le même galion. Ah c'est vrai? Ouais, le galion qu'on avait vu, il vient droit vers nous là. Et le problème c'est que pour partir, on est plus ou moins dans sa direction, donc faudrait partir de l'autre côté. Oh... Ah, il fonce droit sur nous. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment aligné sur nous et il fonce. Ah là, il est t'inquiète. Plus aligné sur nous, tu nous as bougé, non? Ouais, ouais. Je vais descendre pour réparer parce que ça a sûrement frotté. Non, ça va, t'as réussi à... Non, non, y'a rien. Putain, t'es balèze. Attends, on va brain... T'as du lac, toi aussi? On va brain le gars. Ouais, un petit peu, ouais. Tu veux brain le gars? Ah oui, mais il fronce vraiment droit sur nous là, il est juste à côté. Ouais, ouais, ils sont sans pitié, les gars. On a un coffre de merde, putain, barrez-vous! Ah non, c'est un coffre d'aventurier quand même. Oh, bon. On va ouais. Peut-être essuyer un ou deux boulets. Ah bah si. Mais normalement. Ah! C'était pas loin. Ils sont pas contents, hein. S'il passe dans notre ligne de tir, je tirerai dessus pour le principe, mais. Mais franchement, c'est chaud. Non, non, mais là. Ah putain, ils sont vraiment pas loin. Il faut aller réparer là, non? Non. Ah bah non. Non, non, on a. Ah bah si, on a. Ah bah si. Où? Bah où? Je vois pas de trou. À l'arrière. À l'arrière? Au niveau de la map. Ah, derrière ça peut voilà, péter aussi, je savais pas, ça explique pourquoi des fois j'ai coulé sans comprendre.
Ils sont où là? Ils continuent à chercher la mouise ou pas? Je pense pas. Je pense qu'ils sont partis. Oh, ils essayent, mais ils sont. Ils étaient vraiment pas mauvais en tir. Hein. Mais ils étaient. Wow. Pas si bon. En même temps, ils ont 4 canons de chaque côté donc. Voilà, ils sont loin, ils vont pas réessayer, je pense. Ils ont pas l'air de rester. Ah, hein. Je suis. Bien. Mais à mon avis, enfin, je sais pas si on peut couler un galion à deux, quoi. Je pense pas, hein. C'est... à mon avis, c'est chaud. Hein. Faudrait vraiment le bourriner. On a pas assez. Ou alors, faut le laisser arriver et l'un de nous monte discretos. Et fait quoi? Mais. Bah, tu vas les buter sur place. Et c'est un peu couillu, quoi. Ouais, non, mais puis après, faut quand même couler le bateau, quoi. C'est pas. Oui! C'est pas anodin! C'est pas une mauvaise affaire! Alors attends, parce que là on en est où là en fait? Là on fonce vers les. On fonce, je sais pas où on fonce d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ah, vers les rien du tout là! Ah, on est pas du tout sur le bon chemin. Mm. Allez, je tourne, demi-tour. Ça va les brains. Bah, tu peux tourner sur notre gauche. Bah, c'est ce que je fais. Est-ce qu'ils sont passés derrière l'île ou pas? Non, ils sont pas passés derrière l'île, donc ils croient qu'ils peuvent nous rattraper. Très bien. Le problème, c'est qu'on va se retrouver encore contre le vent, en tournant à gauche. Je crois. De toute façon, si tu fais demi-tour, oui, vu qu'on avait le vent dans le dos, pour une fois. Voilà. Là, on est bien aligné, ce serait bien de rester comme ça, je sais pas où on est. Ouais, ouais, ouais. Vers l'ouest, ok. Sauf qu'ils vont nous... couper la route. Tu penses? Putain. Ah ouais, ouais. Voilà. On est sur du coupage de route sur 20? Ouais. Même si on fait ça, comme ça? Tu leur tires dessus, du coup? Ah, t'es chaud. Ouais, 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 je l'ai... Oh, pas mal. Bon, là, c'est pas mal sur nous, mais... Ah non, quoi qu'ils nous ont dépassé. Je vais aller vérifier en bas, quand même. Ah, là, ils nous ont touché. Bah là je ne vois rien. Si, en haut. Il est pas mal ce jeu de charpenterie. Ouais, j'adore. J'apprends. J'ai lâché l'affaire ou pas là? Non. Ouais, mais ça c'est le truc interminable parce qu'on pourra jamais les couler et... Attends, on va regarder si déjà... Bah déjà on se dirige vers notre île là cette fois. Ouais. Après, sinon, ouais, j'ai remis la barre dessus. Est-ce qu'on pourra jamais les couler? Ouais, je pense pas, hein. Est-ce la limite, faudrait qu'on saute dessus, mais... Voilà, est-ce que toi, tu te sens de leur sauter dessus? Mais on va crever, donc... Bah, ce qu'on peut faire, c'est... Il y en a un qui reste à la barre, l'autre qui saute dessus, et on essaye de leur tirer l'ancre. Comme ça, ça les stoppe net, et pendant ce temps, l'autre, il continue, il trace. Tant pis, celui qui tire l'encre meurt, au moins ils sont. On les ouais. Sème quoi. Mais sauf que là, bah, ça oblige à aller droit sur eux. Tu veux tirer l'encre? Moi je m'en fous. Bah il faut hein. Que. Bon vas-y, attends, on va. Juste, il faut que je prenne des munitions sur mes armes. On va foncer droit sur eux, tu t'occupes de la voile pour la maintenir au maximum dans le vent. Si c'est la maintenir dans le vent, ouais, je peux tenter. Ouais. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Je vais tenter en me mettant sur le bon poste. Là, on a tout le vent. Là. Attends, parce que j'ai perdu le galion en fait. Il est à gauche. Ah merde, mais ouais, mais là, on va vraiment se retrouver à contre-vent, donc ça va être très compliqué d'être complètement dans le vent. Tu sautes ou je saute? Ouais, je vais sauter. Après, tu prends la barre et t'essayes de te casser, mais putain, pour monter sur le truc, ça va être chaud. Eh bah, si faut sauter, va pas tarder, va falloir sauter. Hein. Ouais, non, mais là, c'est mort, là. Bah oui, non, c'est mort. Mais par contre, on peut quand même sauter chez eux pour les faire chier. Non. Bah eux, ils ont sauté déjà, donc voilà, ça en fait quelques-uns à la mer. Ah, mais c'est... Effectivement. Ah, mais t'as sauté? J'ai sauté, ouais. Mais effectivement, je pensais que c'était toi qui avais sauté avec moi, et pas du tout. C'était un connard. Ah ouais, mais merde, parce qu'ils nous ont fait des trous quand même, donc là je dois réparer, je peux plus. Ah, désolé. Tu peux plus barrer. En même temps, on est avec un petit coffre de merde, donc au pire, c'est pas très grave.
Le truc des morts, c'est un galion? Ouais, c'est un galion. Ouais. Ok, donc je vois où est l'encre du coup. Ah putain, mais du coup, je continue à tourner en réparant et je me retrouve pile face à eux là. J'arrive. Ce qui n'est pas très bon. Il y a des gens qui rotent, hein. C'est sûrement mon chien. Je vais réparer. Ah putain, y'en a un sur nous. Sur chez nous? Ouais. Ah effectivement. Ah tu vois, il nous a tiré l'encre le bâtard. Ah ah. Je l'ai eu. Casse-toi, remonte l'encre et casse-toi, essaye de tracer tout droit. T'es mort? J'étais à manger, j'ai grignoté. Ouais, je suis mort. T'es mort? T'es bien? T'as déjà mangé? Putain. Bah ouais. Ça va être très très chaud, hein. Putain, il joue de la musique avec moi sur le bateau des morts. Ouais, non mais nous on est en train de couler là, c'est il y a 15 litres d'eau dans la cale. C'est pas possible! Putain, mais en plus on a que de la merde comme trou, on a 3 trous. Et là je sais pas où je vais, hein. Je répare mais je sais pas où je vais. Ah puis eux ils reviennent, hein, ils lâchent pas l'affaire les salauds. T'as tout réparé là? Bah non, je suis en train de réparer. T'es en train d'écumer? Décoper? Ouais ouais. Non, y a plein de trucs, mais j'ai même pas assez de planches. Attends, je vais en chercher. Attention, il nous retire dessus. Bon, on va semer tout ça là, parce que là il commence à me gonfler. Attends, là y a des trous, là y a des trous, c'est bon. Ouais c'est bon, et finalement on s'en sort pas si mal je crois. On a toujours notre coffre. On a toujours notre coffre, bon il nous sert à rien mais... Y'a plus rien. Parce que pour l'instant ils nous ont jamais vraiment touché à la coque. Peut-être une ou deux fois mais Mais pour l'instant ils ont, à chaque fois ils ont touché que le cul du bateau et tu perds quand même vachement moins de... Enfin tu coules vachement moins quoi. Quand tu... quand t'as un trou dans le cul. Ouais, bah il prend moins l'eau. Comment on va se débarrasser d'eux là? Bah à part les buter, je sais même pas si c'est faisable. Hein. Non, bah là ils sont arrêtés donc ils ont lâché l'affaire je pense. Ah non. C'est juste qu'ils ont la moitié de leur voile baissée. Ah ils viennent vers nous. Attends parce que là il faut être... Il y a une épave là-bas. Voilà, ça je crois. Ouais mais là on va pouvoir là. C'est un avant-poste à gauche là? Non. Non, je crois pas. Il y a un truc qu'on peut faire, c'est aller sur l'île où on est censé aller, poser notre coffre quelque part, et dans le pire des cas, bah ils couleront notre bateau, ils seront contents, ils se casseront, et nous, l'un de nous deux va chercher un nouveau bateau et va chercher l'autre, et vient chercher l'autre. Qui est resté. On peut essayer de faire ça. Attends, ils nous suivent encore ou pas là? Parce que j'ai pas l'impression, je sais pas trop. Je sais pas. Ouais. Ils nous suivent, ouais, bon, on va essayer de faire ça. Y a une île devant nous là ou pas? Bah, y'a l'île où on doit aller en fait. Qui est juste à côté là. Ah, ouais, juste à droite, putain, bah allez. La Snake Island, qui doit être pleine de. Tu veux qu'on y aille? Ouais, on va faire ça. En espérant qu'il y a un endroit où on peut cacher un truc. Genre une. C'est celle-là là en face? Non, c'était celle qui était derrière nous là à droite. Enfin, là où y'a le galion en fait, mais après on sort. Ah, ouais, ok. On peut aller dans n'importe quelle île au final. Faut juste que l'autre regarde sur la carte, parce que la calcée surtout. Ça c'est Chicken Isle, donc tu te souviendras qu'il faut aller sur Chicken Isle, ou je me souviendrai qu'il faut aller sur Chicken Isle. Yes, ouais, bon, on va aller là. Bon, tu sais quoi? Ouais. Je vais passer à ras de Chicken Isle, tu vas sauter avec le coffre, et après je continue en fait, je m'arrête pas. Ouais, c'est une bonne idée ça. Tout ça pour sauter un coffre de merde quoi. Qui va nous rapporter 10 boules. Ah parce qu'ils suivent encore hein ces salauds. Mais là normalement ils te verront pas sauter. T'es prêt là? Bah je vais passer, ouais. Je vais sauter, je vais pas tarder. J'ai sauté. Ciao. Après faut pas qu'ils me voient Enfin qu'ils ouais, me suivent et qu'ils me voient. C'est un peu la mauvaise idée pour faire ça quand même. Reste sous l'eau sinon, quand ils passent.
Bah je vais faire mon maximum. Faut quand même que je respire quoi. Je crois qu'ils m'ont vu, je sais pas. Ah, j'ai tenté une manœuvre. Il passe à côté. Vérifie que quelqu'un. Que personne n'ait sauté de leur bateau aussi. Bah ça je peux pas trop le voir en fait. Ah putain par contre moi j'ai plein de squelettes. Mais c'est pas grave. Je peux rester en vie. Enfin j'espère. Putain mais ils vont pas nous lâcher ces connards là. J'ai une masse de vie en fait. Ah oh, putain je suis mort sur Chicken Isle. Non sérieux? Ouais oui. Bah ouais en fait j'avais que dalle de vie, il y avait un putain de squelette et Mais non mais putain mais... Et il y avait un autre coffre je crois en plus sur Chicken Isle. Et au pire on sait qu'il y a deux coffres sur Chicken Isle, après je sais pas quand est-ce que les coffres dépop dans ce jeu. Et t'as vu personne sauter Non j'ai vu personne. Ah attends, tu vas repop du coup sur le bateau là? Je pense ouais. Il faudrait laisser quelqu'un sur Chicken Isle en fait. Bah on peut repasser près de Chicken Isle mais peut-être qu'ils vont comprendre au bout d'un moment. Coucou, je suis là. Tu veux que j'aille voir s'il y a des trous? Ouais il doit y en avoir d'ailleurs. Écoute, en bas j'en vois pas, oui il y en a un ici. Est-ce que j'ai du bois? J'ai 4 planches. Ah putain, le bateau bouge trop, j'arrive pas à l'appareil. Il y a un trou. Ça va. Je vais écoper un coup. Putain, il faut vraiment que je change les touches parce que moi j'arrive pas. Vas-y, je mets le bateau là, je le laisse aller tout droit. Ouais, je saute ou tu sautes? Non, je vais sauter, je vais garder les coffres sur Chicken Isle. Tu vas voir, c'est sur un bout de plage. Ok. Sur un coin de plage. J'ai sauté hein. Ah ouais, je t'ai vu sauter. Moi je vais Va tout droit, sème-les. Ouais, je vais faire mon possible. Et puis on verra ce que ça donne. Mais ils continuent de suivre hein. Ah mais c'était des morts de fou. J'espère qu'ils vont continuer de suivre parce que s'ils vont te faire chez toi, notre plan diabolique ne marche pas. Ah putain, il y a la sirène, elle va me trahir. Pas sûr parce que moi elle m'a pas trahi tout à l'heure. Ah, elle fait un gros fumigène, si les mecs ils calculent pas, ils sont vraiment cons. Je sais pas parce que là ils ont l'air de me suivre encore. Hein. Ouais, non, mais ils me suivent, hein. T'inquiète pas. C'est vraiment un stratagème ultra compliqué pour sauver un coffre de merde. J'avoue. Un seul coffre de merde. Vraiment, ça sert à rien ce qu'on fait. Mais c'est drôle. Ah, mais c'est pour le faire chier quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais attends, mais il y a deux coffres là en fait. Ah ouais, oui, mais d'accord, il y en avait déjà un sur l'île. C'est ce que je t'ai dit, il y en a un deuxième sur l'île. Et je l'ai posé à côté du deuxième. Ah, mais ils me suivent, hein. Ça les amuse. Alors, par contre, il va falloir tourner sévère là parce que on va arriver sur le bord de la carte. Vas-y, je vais planquer les. Planquer les deux coffres. Ouais, je les ai planqués dans les arbres là. Bah tu sais quoi, au pire s'il me coule maintenant, du coup j'ai un nouveau bateau ou t'as un nouveau bateau. Bah ouais, non, au pire va là, tout droit, fonce tout droit dans le. Non parce que si jamais tu chopes un nouveau bateau, on perd les coffres. Mais par contre moi si je meurs, ah oui. Bah je viens te chercher à Chicken Isle et voilà, on a fini. Enfin, ouais. C'est eux qui tirent dessus là. Je pense que c'est eux qui me tirent dessus. Alors en fait ils essaient de me couper la route. Bah tu sais quoi, je vais les éprouver, je vais venir les faire chier. Si j'arrive. Non, j'arrive pas. C'est pas grave, j'ai sauté dans l'eau. J'ai sauté dans l'eau, je suis comme un con parce que j'ai plus de bateau. Et notre bateau essaye de tourner. Enfin, notre bateau tourne en rond. Eux, ils tournent en rond autour de notre bateau. Et moi, je suis tout seul avec mon épée dans l'eau. Bah, si jamais ils s'éloignent trop, je prends la sirène. Là ils essayent de couler le bateau en fait. C'est vraiment leur but en fait. Ils sont complètement cons.
Attends, parce que en fait, chier, notre bateau tourne en rond. Ouais, non, mais là, ils ont quasiment coulé le bateau, je pense. Attends, bah, je vais réussir à remonter dans notre bateau, peut-être. J'ai réussi. Il a fait un tour complet, en fait. Et il y a un connard qui arrive dans notre bateau, qui essaye de venir dans notre bateau pour sûrement pour casser les couilles. J'imagine. Du coup, je vais leur tirer dessus si j'y arrive. Ouais, on passe pas dans le bon sens, attends. Moi, je me bats les squelettes, là. Ouais, il y en a pas mal. Putain, mais il est où, leur bateau? Ah merde, mais on passe pas du tout dans le bon sens, là. Du coup, quelle équipe de bras cassés. Je leur tire dessus avec des boulets de canon. Mais tu les touches ou pas? Pas du tout. Pourtant, ils sont juste à côté, hein, mais je suis pas très bon. Ah, mais attends, fais échappe. Bah attends, parce qu'il y a un con chez eux, en fait, qui arrive pas à rentrer dans notre bateau. Ouais, bah laisse-le. Saborde le navire. Tu fais échappe, mon équipage, et tu fais saborder le navire. Ah bah, pourquoi faire? Bah comme ça, notre bateau est cool et ils sont dans la merde. Et nous, on en a un nouveau et tu peux venir me chercher. Bah après, ils seront pas dans la merde. Enfin, eux, ça leur... Non, mais bon, toi, au moins, t'as un nouveau bateau et tu peux venir me chercher. Je suis d'accord. Parce que bon... Écoute, j'essaye de les éprôner et... Le mec qui tient... Attends, j'essaye. Mais en plus, je vous vois d'ici, c'est juste vrai, magique, quoi. Mais ouais, je suis à longue vue, là. Putain, vous êtes côte à côte, c'est beau. Ah, ils font chier, ces squelettes, là. Ah, putain, ils m'ont buté. Bon, bah du coup, moi, je vais repopper dans le bateau. Oh, putain. Ils arrivent pas à couler ce bateau, en même temps, ils sont vraiment cons, quoi. Ah, il y a un truc génial en fait, quand t'es mort, t'as un petit papier avec marqué « Dis donc, vous mourrez souvent, est-ce que vous voulez saborder le navire ?» Je dis oui. Ouais, c'est un nouveau truc ça. Tu veux que je leur dise oui? Ouais, vas-y. Fais-le. Parce que moi j'ai déjà voté oui. C'est pas mal comme pour éviter que tu meurs en boucle et que t'aies jamais le temps de... Ouais, enfin bon, tu perds ton navire quand même. Ouais. Disons que c'est mieux de perdre ton navire que de perdre ton temps. Ouais, s'il est plein de ressources, ça fait chier. Ouais. Bon, là, en l'occurrence... Bon, bah ça recharge. Je sais pas où je suis. Je te dirai quand j'y suis. J'imagine que je suis à l'avant-poste le plus proche. Quoique non, on réapparaît sur une île au pif, je crois. Hein. Ouais. T'apparaît pas forcément en avant-poste. Il va apparaître à Chicken Isle. Non. Ça serait beau. Non, je sais pas où je suis, mais je pense que c'est Serpentile vu qu'il y a des serpents partout. Ce qui est cool parce qu'elle est à côté. Ah, t'as trouvé une carte ou quoi? Ouais, sur la plage. Par contre, je prends pas le temps de. Je viens de chercher d'abord. Je prends pas le temps de récupérer tous les trucs sur l'île. Enfin, je sais pas ce qu'il y a sur l'île ou pas. Ouais. Alors, où suis-je? Oh, je suis pas loin, ouais. Je suis bah près du Shark Bait Cove. Elle est où Chicken Isle? Ah mais quoi qu'on avait beaucoup bougé quand même. Bah elle est où Chicken Isle? Et le galion il s'est arrêté, il a relevé les voiles, je sais pas ce qu'il branle. Parce que... Elle était où l'île qu'on devait aller voir? Et je sais plus. Non mais l'île c'était Snake. Ouais, mais elle était juste à côté. Et là, moi, je suis sûr. T'es à Chicken, c'est celle qui est juste Chicken. À côté. J'en suis à mon 40e squelette. Tu fais de l'XP ou pas? Parce qu'elle devait être toute petite, du coup je la vois pas. Eh ben zoom. Mais je zoom, mais... Et ça serait intéressant d'avoir... Un truc qui était à côté. On est d'accord qu'on est passé par Shard Bay Cove. Ah oui, mais Chicken Isle, après, on était reparti dans l'autre sens, non? Ouais, c'est... Parce que moi, j'ai toujours la sirène qui trahit ma position, là. Putain, mais où est-ce que c'est? Oh, putain! Une caisse de terre rare!
Eh, mais en fait, les objets ils pop devant moi là, tellement ça fait longtemps que je suis sur l'île. Ça commence à devenir rentable l'histoire là. Putain, mais je ne vois pas Chicken Isle. Est-ce que tu penses qu'il y a des bouts de map qui apparaissent que quand t'as bah des non, trucs non, à y non. faire? Bah non. Surtout que je suis dessus donc. Attends. Si je trouve pas, je vais aller chercher sur internet. Putain, il commence à m'emmerder ce squelette là. Parce que je trouve ni snake ni chicken en fait, donc c'est ça qui est chiant. Attends, je vais regarder tu la map. Tu au moins de quel côté on était, enfin dans quel coin de la map on était? Je vais te lire ça. Ah, y a pas chicken? T'es sûr que c'était chicken? J'en suis sûr et certain, juste à côté de Serpentile. Ah ouais, Chicken Hill. Ok, donc Chicken Hills, elle est dans le carré inférieur gauche. Ouais, bah c'est plutôt vers le milieu. C'est là où je regardais à chaque fois, mais... Elle est toute petite, elle est à côté de Plunder Valley, entre Snake Island et Plunder Valley. Alors j'ai Plunder... Ah oh, putain, elle est là. Effectivement, je la voyais pas, ouais. Bah j'arrive. Je suis... Attends, mais pourquoi... À 15 bornes. Putain, mais... J'ai été voir la map... J'étais téléporté dans la mer là. T'es dans la mer? Bah enfin là, un peu loin de l'île. Comment ça? Mais là c'est bon. Mais comment t'as été voir la map? En ligne? Ouais en ligne ouais. Ah donc pendant mais que tu regardais le map, t'es téléporté quoi. Voilà. En fait j'ai l'impression que quand il est en arrière-plan, il a plus de communication avec le serveur, du coup tu dévis. Tu dévis. Ah ouais parce que j'étais à 50 mètres de l'île. Attends, il y a bien un coffre, deux coffres. Effectivement. Si ça avance pas, c'est parce que j'ai pas levé l'ancre. Jean-Michel navigation. Alors, faut que j'aille complètement au nord. Parce qu'évidemment, j'ai mal replacé ma carte et il y a personne pour m'engueuler, donc je le vois pas. Alors, par contre, le galion est toujours là. Ouais, il est toujours au large là, j'ai l'impression qu'il vient sur moi. Non, je dis de la merde. C'est pas possible. C'est pas possible, il est en plein sur ma gueule, ok. Je vais me cacher. J'ai quand l'impression qu'ils ont une quête à faire sur Chicken Heights. Ils ont vu la sirène. Putain, ils ont vu la sirène. De toute façon, dis-toi que s'ils l'avaient pas vu, ils m'auraient vu arriver au bout d'un moment. Ah ouais, mais là ils l'ont vu, donc là maintenant ils vont tourner autour. Fait chier, putain. Par contre, là, on a pas mal de trucs, quoi. Enfin, il y a moins... Bah écoute, si tu réussis à te cacher sur cette île où il n'y a pas un arbre... Bah ouais, j'essaye, là, de me cacher, mais... Et bah, peut-être qu'ils repartiront en se disant, bah, c'est un bug. C'est comme nous, la dernière fois, on avait dit, bah, c'est bizarre, parce qu'il y a toujours la sirène du gars et qu'on a fini par partir. Alors là, ils sont venus sur l'île, mais ils m'ont pas vu. Ah, carrément. Ça, oh, je vois cache-cache. C'est palpitant. Après, du coup, faut pas que je vienne trop rapidement, quoi. Oh putain, non, viens pas, alors. J'ai hésité à le buter avec les squelettes, mais je me suis dit... Ah putain, il arrive là, l'enfoiré. Ah, ils ont jeté l'encre. Sérieux, ils viennent définitivement sur toi? Ah ouais. Alors moi c'est chiant parce que j'ai un autre galion devant moi. Ça se trouve c'est le même en fait. C'est possible que ce soit le même en plus parce qu'il est à peu près dans cette direction. Tu veux que je vienne les défoncer? Ah le bâtard! Il t'a buté? Ah ouais, ils m'ont trouvé là. Mais t'étais à côté des coffres ou pas du tout? Non, je suis pas à côté des coffres mais bon. Bah, ils vont foutre, doit se douter que du coup... Putain, j'ai plus de bananes en plus. Et t'es où? Il t'a buté ou... Bah là, ils sont deux sur moi, là. Voilà, là, ils m'ont buté. Bah du coup, tu vas repopper sur mon bateau? Bah ouais. Eh bien, on va les def. Bah putain... Ah, ils m'ont saoulé, là, cette putain de sirène.
Parce que là, on a une caisse de... je sais pas quoi, là. De terres rares, et ça valait 1500 boules, un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire contre 4 mecs, quoi? Franchement, il y en avait un qui était con, hein, qui restait 20 minutes à essayer de monter sur mon bateau, qui a pas réussi. Donc on peut dire 3 et demi. Tu fonces sur eux, là, ou pas? À peu près. Je fonce vers l'île, en fait, mais j'imagine qu'ils y sont, donc... Coucou. T'es là? Ouais, c'est ça, on les voit, là. Ah ouais, c'est eux qu'on voyait, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais je les vois depuis hyper longtemps, en plus. En même temps, t'as pas la voile... J'ai pas la voile baissée? Ah non, dans le vent? Ouais, bah j'ai pas eu le temps de... Eh, on a un drapeau bleu! Ah bon? Bah en haut, moi, le drapeau, je le vois bleu. Ah, ou alors c'est un effet de... Attends, je monte. Non, il est blanc. C'est un effet de vue. Ils sont moi, je le vois bleu, putain. Bah, ils sont un peu à gauche! Ah, à gauche. Ah oui, je les vois totalement, ouais. Et c'est Chicken Isle, ça. Ouais. On y va? Ouais, ouais, on y va, ouais. Oh, j'en ai rien à foutre, là. On les éperonne et puis... Et on les def. Ouais, ouais, moi, je saute sur leur bateau. Je chope leur coffre, je les jette à l'eau. Comme un connard, le truc qui sert à rien, en plus, parce qu'ils vont juste les reprendre et les remettre, mais... Ah, c'est pas grave. Ah, attends, bah, je vais prendre des bananes. Ah ouais, merde, moi aussi. Comme ça, j'irai manger des bananes devant eux. Comment... Elles sont où, les bananes? Ah, elles sont là. Hop, je prends des munitions. Ils ont relevé l'ancre. Ils sont en train de... Est-ce que tu crois qu'ils ont trouvé nos coffres ou pas? Je sais pas. Tu veux qu'on essaye? Là, ils sont en train de courir sur le pont, je les vois. Hein. Il y en a un qui va nous tirer dessus dans 2 secondes. Tu veux qu'on leur tire dessus ou pas du tout? Ouais, là on va pas pouvoir, mais... Ou non, mieux, je vais rentrer dedans et je vais essayer de leur monter dedans. Donc faut que tu passes près d'eux. Ah, fais gaffe, y'en a un qui a sauté à l'eau. Il va sûrement monter sur nous. Ah ouais, mais moi je vais... En fait, dès que tu vas passer à côté d'eux, je vais me tirer du canon. Si tu passes à côté d'eux. Oh, tu vas aller trop loin, là. Je vais tenter. Il a pas réussi à monter, ce... Non, non, bah non, ça marche pas parce qu'ils sont en train de s'éloigner. Donc je peux pas. Ouais. Il a pas réussi à monter, ça doit être le même que tout à l'heure. Il a un nom à la con là avec plein de lettres. J'ai pas vu, mais j'ai pas eu son nom, pas eu le temps. Bah, tu veux que je charge un canon? Du coup, qu'est-ce qu'on fait du coup là? Tu crois qu'ils ont trouvé nos coffres? J'en sais rien, tu veux qu'on retourne sur l'île et qu'on s'en foute d'eux? Ah ouais, on va aller voir. C'est n'importe quoi, putain, on a perdu 2 heures pour rien quoi. Oui, mais c'est rigolo. Attends, je regarde. Occupe-toi de conduire, je vérifie où est-ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont. C'est la petite île devant nous, là, hein? Ouais. Je sais pas, je vais regarder. Bah, c'est sûr, ils ont lâché l'affaire, donc ils ont... Ils ont dû récupérer les coffres. Ils ont dû avoir tous nos coffres. Ils étaient loin? Attends, putain, on aurait pu essayer de les choper... À l'avant-poste. Franchement, si ils ont lâché l'affaire parce qu'ils ont rien trouvé, s'ils nous voient retourner sur l'île, s'ils sont pas cons, ils font demi-tour et ils viennent nous def. Mais c'est celle-là, l'île? C'est celle-là. Je suis pas certain qu'ils... Oui, c'est celle-là, oui. Chicken Isle. Pourquoi c'est pas celle-là quand tu y étais? Mais t'as acheté l'encre ou même pas? Ouais, ouais, j'ai acheté l'encre. Bah, en fait, ça... Ah! Ils y sont? J'ai l'impression que notre cachette a été découverte. Merde! Pourquoi c'était là-dedans? Ah, putain, les enfoirés! Tu veux qu'on aille les def? Ah, là, il faudrait savoir ouais, à quel avant-poste ils vont. Bah, au plus proche, à mon avis. Je lève l'ancre. Vas-y, vas-y. Comme ça, on est déjà prêt à partir. Mais par contre, là, je sais plus trop dans quel sens ils sont, mais je crois qu'ils sont derrière l'île. De l'autre côté. Ouais, ouais, ils sont derrière nous. Ah merde, on a frotté, hein. Je vais vigiter. Ah bah attends, j'attends de voir si on frotte. Bon, écoute, on n'a pas frotté. Putain, les salopards.
Bon, en même temps, c'est... Enfin, ça aurait été étonnant que... Parce qu'ils nous auraient vu retourner à Lille. Ils seraient venus nous voir... Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à gauche. Ils sont à gauche? Ouais, enfin, ils sont en face, quoi. Non, en face à gauche. Attends, merde, je les vois plus. Ils sont pas partis dans le brouillard sur la demi-. Ah, mais ils devraient aller à l'avant-poste Plunder, là, je pense. On y va? Bah ouais, ouais, on y va. Je sais pas si on y sera à temps. Je pense pas, mais bon. Putain, mais il y a deux secondes, je les ai vus, j'ai enlevé la longue vue, je les voyais plus, quoi. Ça doit être une connerie de... je suis pile dans le brouillard. Ou ils sont derrière l'île? Non. Putain, je les vois plus. Par contre, il y a une épave là-bas. Ah putain, est-ce qu'ils ont été à l'avant-poste ou pas? Parce que je les y vois pas à l'avant-poste. Hein. Non, moi non plus, je les y vois pas. Et je vois pas du tout où est-ce qu'ils sont. Enfin, je les vois nulle part. Après, ils sont peut-être derrière le rocher là. Ils nous attendent. Ouais, c'est ça. Putain, mais comment on s'était fait baiser? Bordel! Oh, mais c'est pas possible, ils sont où les mecs? Là, il y a l'épave. Là-bas, c'est des tours. Ils sont derrière nous. Sérieux? Là où il y a le grand rocher en forme d'arche. Je les vois, ils ont fait un tour, ils sont en train de tourner autour de ce rocher là-bas. Je sais pas si tu les vois. Non, je les vois pas là. Bah là, on les voit de moins en moins, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait nous? Attends. Attends. Derrière nous, vers le truc en arche. Ouais, mais là, ils sont pile derrière le rocher, donc on les verra pas. Mais ils étaient derrière ce rocher, au loin, au niveau de l'arche. Putain, je regardais pas, on a failli se manger l'avant-poste. Ah bah il me semblait qu'on n'allait pas se le manger. J'avais regardé, j'avais déduit qu'on allait passer très près, mais pas dessus. Ah ouais, on est passé ultra près. Ouais. Ah ouais, je pensais qu'on passait moins près. J'hésite à m'arrêter juste ici là. Où ça? Bah juste là. Bon là tu vois, on est un peu caché. Ils sont juste en face de nous. Tu les vois ou pas? Et attends, alors ouais non, ils sont juste en face de nous, tu les vois pas? Non, je les vois pas là. Ils sont sur l'île, pile en face de nous. Ils sont sur l'abord de l'île. Ah, ça y est, je les vois, putain. Ouais, ouais, ils repartent là. On les def? Je pense qu'ils vont venir ici, moi. Tu veux qu'on les attende? Eh ouais, mais du coup, on est pas assez caché là. Ça fait chier. Alors, attends. Tu les surveilles? Bah je vais tenter, mais vu qu'ils passent derrière l'île, c'est compliqué, et en plus ils sont pas loin d'être à la limite du brouillard, donc... Mais là je les vois encore. Oh mais non, tu bouges, ça devient difficile. Ouais. Je tente une manœuvre. C'est eux ça ou pas? Ouais, ils font le tour de l'île et je suis sûr qu'ils vont venir à cet avant-poste. Alors là, ils sont pile derrière le mât, donc 2 secondes. Merde, je les vois plus. Ah, ils sont là. Je voudrais juste arriver à nous cacher. Putain, ça me fout un mal de mer, là, quand tu bouges en même temps que je regarde. On va frotter, hein, c'est normal. Hein. Ok, si tu gères, gère. Mais là, je les vois plus, par contre, hein, parce qu'ils sont derrière l'île. Que tu veux que je monte sur l'île pour les surveiller? Ouais, on va... Hop! Et bah j'ai fait plouf. J'ai fait de toute façon, on a rien à perdre. Bah non, on a rien à perdre, on a un bateau vide. Je sais, j'aurais pas dû te rappeler. Mais... J'espère juste qu'ils viennent ici, sinon... Sinon on va les attendre pour rien, quoi. Alors là, c'est totalement les tours, c'est pas eux. Là, c'est l'épave. Là, c'est les tours. Ils sont derrière l'île, ils ont relevé les voiles. Derrière leur île.
Ça se trouve, en fait, ils allaient juste à l'oreille. Après, ça se trouve, ils attendent parce qu'ils ont compris qu'on allait les attendre. Donc, du coup, ils attendent 5 minutes en se disant, bah, on ira dans 5 minutes. Ouais, mais non, c'est pas marrant ça. Ah putain, c'est totalement flippant. T'es dans moi et du coup, ouais, je pouvais juste vois que la longue vue. Ouais. Ça, c'est pareil. Et les mains. Et c'est flippant. C'est dommage qu'on puisse pas avoir deux bateaux. Genre, il y en a un, il prend une petite barque et il va leur casser les couilles. Bon, on attend 3 minutes là. S'ils repartent pas, c'est que. Ça se trouve, ils cherchent juste un coffre ou un truc là-bas. Hein. Ouais, ça va être quelque chose comme ça. Moi, il me manque un pet de niveau là pour être niveau 10 dans les deux. Putain, je les vois quasiment plus. Le brouillard s'est levé, non? Non, je les vois toujours pareil. Attends, je vais bouger un peu. Ah oui, non, je regarde au mauvais endroit. Écoute, il bouge pas. Hein. T'as moyen d'acheter des longues vues qui font plus de distance plus tard? Non. Non, ça fait que de... c'est que des cosmétiques en fait. Moi j'ai acheté ça, t'as vu? Même le. Mais les flingues? Les flingues, y'en a pas des plus efficaces? T'avais pas non, un sniper ou je sais pas quoi? Ouais, si, t'as un sniper. Mais tu l'as déjà le sniper. Ah bon? Et tu fais quoi? Ouais. Tu vas te l'équiper? Ouais, faut que tu l'équipes dans l'armurerie du bateau. Ah, mais je savais pas. Mais le sniper en fait, c'est une longue vue précise. C'est. Ouais, c'est un fusil avec une lunette. Mais c'est pas terrible. Mais je crois que ils ont fait un patch et ils ont baissé les dégâts du tromblon et augmenté celui du sniper ou un truc comme ça. J'ai pas retesté depuis. Écoute, pour l'instant, il bouge pas. Hein. Ouais, putain, ils font chier là. Et puis, je voudrais bien qu'ils viennent que, là. Y a pas un crâne. C'est pas un crâne là, le truc qu'on a nous de dos. Juste là où il y a les éclairs, là où il y a tous les éclairs et. Bah non. Non, parce que de toute façon, c'est pas un fort là où ils sont donc. Non. Ils vont bien bouger à un moment. Après, c'est ce truc, ils vont pas venir ici. Mais... Putain. Ah, ils m'ont saoulé là. En fait, on a rien vendu là depuis tout à l'heure. Ils bougent. Leur bateau a bougé. Ah ouais? Il a pas les voiles baissées, rien. Non, il a pas les voiles baissées, moi je le vois osciller alors que tout à l'heure pas du tout. Alors est-ce que c'est un effet de shader ou je sais pas quoi? Après, je le vois osciller sur place, hein. Je le vois pas non plus. Ouais, voilà, il tangue, mais. Ah, mais c'est pour ça que le chien aboie, c'est pas que les voisins, il y a des chiens qui gueulent. Ils font peut-être des combats de chiens, mes voisins. C'est con parce qu'on y serait allé en bateau, on aurait pu les def. Ouais, à mon avis, ils sont 4 hein, les mecs, faut pas oublier, donc il y en a un qui surveille le bateau et. Bah oui, il suffit de le buter lui. Et. Ouais, mais il prévient tous les autres, on s'en prend 3 sur la gueule. Mais bon. Non, parce que tu le butes lui, nous on est 2, on prend le bateau, on le démarre, on essaye de le faire partir au loin. Et quand il repop, à chaque fois tu le butes. Bon, du coup, faut pas te tromper quoi. Ouais, mais sauf qu'au bout d'un moment ils ont la sirène donc ils débarquent à 4 d'un coup. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Ouais, mais ils débarquent à 4 sur un autre bateau. Et non, la sirène quand tu cliques dessus ça te ramène sur ton bateau s'il est toujours. Ah ouais, je savais pas. Ouais, si, ouais. Ah ouais, c'est pour ça, des fois quand tu tombes à l'eau, tant mieux, tant pis, vaut mieux que ton pote il continue à avancer, tu cliques sur la sirène et tu le rejoins. Ah, je pensais que ça te faisait un nouveau bateau dans tous les cas quoi. Ah il baisse les voiles. Non. Ah il baisse les voiles ouais. Ah ça y est il avance là. Putain, si tourne à droite on est bon. Écoute. Mais tu sais quoi? Attends mais même on aurait dû couler le navire parce que là ils vont le voir. S'il passe par là.
Oh, mais si on coule le navire, on fait quoi, nous? Ah bah on pourra quand même revendre les coffres. Bah tu veux qu'on coule le Ouais. navire? Je sais plus comment on fait. Tu fais échappe mon équipage et tu votes pour saborder le navire. Attends, on va voir déjà s'il se pointe ici, parce que sinon ça sert à rien. Bah non mais du coup on va avoir une sirène. Si on fait ça. Ah putain! Ah, Ouais, ouais. faut attendre le dernier moment. Ah, il tire des boulets. Il tire des boulets. Putain, mais les mecs, ils tirent sur tout ce qu'ils voient, quoi. Bah ouais, j'ai entendu un. Allez, tourne à droite, là, tourne à droite. Ah. Ah Ils s'en vont, hein. ben Ah, là. attends, ils bougent leur voile vers la droite. Mais ils viennent pas à droite. Si? Non? Je sais pas. J'ai du mal à voir en fait. Non, non. Ah, quoique. Faut pas oublier que c'est un gros bateau, hein. Ça peut prendre du temps à venir. Hein. Ah mais là ils se pointent par le mauvais côté parce que là ils vont nous repérer à 3 km. Bah, peut-être qu'ils le savent. Bah ouais, non mais ils arrivent carrément sur nous là. Putain, mais ils sont très forts, hein. Alors, on sait pas si ça se trouve, ils font du stream hacking. Ils ont tapé nos noms pour vérifier. Ils ont vu un compte Twitch, ils sont en train de regarder. Où est-ce qu'on est? Bah là, en fait. Regarde ailleurs. Ah non, ils vont à l'épave, je pense, non? Ouais, je pense, parce que là, ils se dirigent en plein dessus. Ouais. Eh merde, putain, ouais, ils nous font chier. T'as laissé PUBG à télécharger? Non, du coup, je l'avais coupé pour pas qu'on soit lagué. Merde. Bah après, si tu veux, je peux le relancer là maintenant. Ouais, bah ouais, bah enfin, attends, je vais aller fumer une clope après et on déco. Peut-être Téléchargement qu'on arrivera attendu. à tuer des gens là. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la qualité de tout. De quoi? Je sais pas ce que ça va donner, si ça va pas laguer dans tous les sens. Ah, tu l'as relancé là? Ouais. Parce que t'as commencé. Ouais, Ah, ils sont arrêtés à l'épave. c'est exactement ce que je disais, que ça allait peut-être laguer dans tous les sens. C'est ça. Est-ce que je leur Attends, je fonce veux juste voir dessus? l'épave. Normalement, ils en ont pas pour très longtemps. Donc, si après l'épave, on va sur PBG. Putain, c'est ultra chaud le. Putain, on s'est quand même fait un tube. Putain, mais j'entends quasiment rien depuis que j'ai lancé le téléchargement. Je t'entends plus, hein. Je sais pas si tu m'entends, mais moi pas du tout. J'entends plus. Ah bah voilà, c'est ce Tu que es je un te disais. robot. Je t'entendais plus non plus. Attends. Je le remets en pause parce que sinon on peut plus se parler. Ah ouais, ça y est, je te rentends là. Bah oui, j'ai mis en pause le téléchargement. Putain, mais c'est ouf. Bah il me prend toute ma bande passante en fait. Il n'y a pas les options là pour lui dire calme-toi. Avec Steam, je sais pas. Bon, on va Ou faire remarquer alors. qu'on s'en fout, hein. Il reste combien de temps? 10 minutes, même pas. Il disait 10 minutes, mais après on le fera pendant que tu auras fumé une clope. Ouais, voilà. Alors là, je veux juste voir s'ils viennent ou pas à cet avant-poste. Mais putain, ils en mettent du temps, elle est pleine de. Ah si, je peux limiter la bande passante, je vais faire ça. Limiter la bande passante à 7 mégas. Putain, il faut redémarrer Steam quoi. Juste pour un réglage à la con comme ça. Les mecs, ils te demandent de redémarrer tout Steam. Hop. Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Mais là, il n'y a rien qui se télécharge. Ah, là c'est, je t'entends. Non, je te disais, il faut redémarrer tout Steam pour qu'il prenne en compte la limite de téléchargement. Ouais, mais tu. Je suis loin. Ah, ça coupe encore? Mais putain, mais il faut pas autant de temps pour looter une épave, les gars, là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, il touche au voile de derrière.
Peut-être qu'ils vont venir. Ça serait sympa qu'ils viennent. Là, tu m'entends correctement du coup? Ouais, là je t'entends bien là. Ok, bah j'ai limité le débit à 7 mégas par seconde. Ça a l'air d'aller. Bon, ils me font chier. Quel joli soleil là-bas. Tu les surveilles? Ouais, je les surveille. Ça m'étonne qu'on voit pas plus de bateaux quand même. Là, bah, là, ils tournent, mais alors ils vont pas du tout vers nous. Mais c'est possible qu'ils fassent ça parce qu'ils peuvent pas tourner directement à droite. Ah ouais. Ouais. Ah, là, ils ont lâché les voiles. Bon, ils vont se Je prendre voulais des aller pas, planquer mais... le bateau. Ah non, il tourne à gauche. Moi, je les vois pas tourner encore. Hein. Ah ouais, non, mais non, ils ont redressé un peu à gauche, maintenant ils repartent à droite, on dirait. Bah, parce qu'ils Ah essayent non, de non, contourner c'est les voiles l'épave. en fait qui bougent. Ouais, ils essayent de contourner l'épave. Ouais, non, mais ils viennent vers nous, hein, non? Ben je sais pas trop là. Ouais, on dirait, ouais. Oui, là ils viennent carrément vers nous. Ok, bah Putain, alors fait du coup je chier, mets en pause le faut que je bouge. téléchargement de PUBG. Ouais, faut que je bouge le bateau rapidos là. Ouais, ils viennent. Ouais. Pourquoi ils vont venir pile dessus? Bah ouais, ils arrivent pile dessus. Moi je vais essayer de me mettre un peu plus bas dans les rochers. Merde, je suis tombé dans l'eau. Ah ouais, ils viennent carrément sur l'île. Et ils viennent côté plage en fait. Je pense qu'ils veulent pas Ouais, aller bah ouais. côté dock. C'était pas du tout prévu ça. Eh ouais. Bah du coup, je sais pas s'ils nous ont vus, mais là, ils avancent, hein. Parce que ce qui est un peu con dans ce jeu, c'est que des fois, ils affichent ton nom en gros, en plein milieu, du coup, les gens te voient. Ouais, c'est ça le problème. Je pense qu'ils m'ont pas vu là, hein. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'il m'ait vu non plus. Enfin, en tout cas là Ils arrivent bien ils... par le côté où on était. Ouais, ils arrivent tout droit en plein Ils enfin, sont à quel niveau là? Ah bah merde, putain, si, ils vont me voir là. je sais pas parce que je Putain, mais suis ils ont été planté. là vachement vite, ces mecs. Et ils vont super vite, c'est un galion hein. Et ils tirent dessus, non? Oh putain, j'ai planté le bateau. Ah C'est pas grave, on s'en fout du bateau. je vais En fait, regarder. idéalement, ce serait pas mal qu'ils croient que t'es le seul. Du coup, je vais essayer de rester. Oh non, j'ai l'impression qu'il y en a un qui me tire dessus depuis la vigie. Il me voit, il me voit. Il me voit, je vois le truc de la vigie. Il essaye de me tirer dessus. Il m'a totalement vu. Il s'arrête pas du coup? Je sais pas. Ah, parce que t'es toujours mort? Enfin, t'es mort? Non, non, non. Mais il me voit, il est en train de me regarder de la vigie. Et il a un sniper, celui à la vigie. Bon, et c'est pas pour Ils ça sont qu'il m'a arrêtés laissé ou entrer. pas? Mais... Bah, là, je sais pas parce que je suis en train de me cacher un peu. Mais je regarde. Ils sont en train de ralentir, mais ils sont pas arrêtés. Ils sont du côté de la plage. Mais t'es où, toi? Moi, le bateau a coulé là. Ouais, et mais. Mais toi, t'es où? Je viens de sauter sur l'île. Ils sont en train de tourner autour de l'île, pour l'instant c'est pas... Là ils essayent de me tirer dessus mais ils y arrivent pas alors que je suis complètement immobile et que je suis en train de m'ouvrir un Kinder Country. Ah, ok, ils arrivent de mon côté en fait. Ils vont voir le bateau en train de couler là. Ouais, parce que là ils font le tour. Ah, mais du coup, putain, fait chier, mais ils sont bons ces mecs là. Comment ils savaient qu'on était là? Je sais pas. Putain. Peut-être que c'est eux qui regardent le stream. Serait marrant ça. Salut! Coucou! Ils sont en train de J'essaie parler de me entre eux. cacher. Ah, mais on va encore avoir droit à une sirène là, vu que j'ai coulé le bateau comme un noob. Bah, c'est pas grave ça.
Ah ouais, bon, ils vont se casser un autre avant-poste, les mecs, ils sont pas fous. Je sais pas. Bon, là, je les vois nulle part. D'aucun côté. Ah, mais il y a un truc pour monter, là, ou... Non, c'est mort. Ils sont nulle part. Non, ah, non, mais c'est sûr, ils ont tracé, les mecs, ils sont pas fous. Eh bien, cette session est un échec total. Alors, au niveau de la piraterie, là, on n'était pas... Ah oh, putain, s'ils arrivent. Après, merde, du coup, ils ont dû me voir carrément. Au niveau de l'amusement, c'était rigolo quand même. Ouais. Ouais, mais si on n'avait pas été des victimes, ça aurait été rigolo. Putain, mon gars. S'ils viennent vendre mes coffres, oh, on peut pas se cacher dans la tente, merde. Mais ça, c'est parce que t'as une dignité. Moi perso, j'ai pas de dignité, donc ça va, j'ai trouvé ça drôle. Ah ouais, ils nous ont vus. Ouais. C'est moi ou ils tirent des boulets de canon? Ah ouais, ils nous tirent dessus. Mais ça sert à rien des boulets de canon sur des gens. Ah bah si, s'ils te touchent, t'es mort. Ouais, je suis d'accord, mais là, c'est ultra pas précis, quoi. Ah oui. Avec un peu de chance. Ah, là, c'est vers moi. Ah ouais, donc toi ils t'ont repéré. Ouais. Ouais, donc ils vont jamais s'arrêter les mecs. Ou alors ils vont dropper quelqu'un pour qu'ils vendent les coffres. Ou alors ils vont dropper quelqu'un pour nous buter, ouais. Ouais aussi, ouais. Moi je serais eux, je nous buterais. Hein. Est-ce que tu veux que j'aille parler à la sirène? Ah, ouais. Ils ont projeté un mec. Ah bah ça sert à rien de le buter en fait. Ah puis il s'est pris son propre boulet de canon. Ouais, j'avoue. Mais ça sert à rien de le buter, il va juste repopper dans son truc. Si tu meurs... Je l'ai buté. Bah, t'es un champion. Mais si l'un de nous deux meurt, il se retrouve avec un bateau et il peut revenir. Ouais, c'est vrai. Et on est vraiment dans une boucle infinie de la mort. Oh mais là, bah, il ferait mieux de se casser les mecs, ils sont cons quoi. Un coffre à munitions, il y a ça où? Ici, je sais pas. Peut-être dans la taverne. Tu penses qu'ils sont encore en train de faire le tour? Ouais, ouais. Ouais, ça sert un peu à rien là. Après, honnêtement, moi, il y a un moment où il va falloir que je m'arrête et que j'aille faire à manger quoi. Bah ouais, ouais, c'est le... C'est la vie. Ouais. En plus, ma copine est partie à son entraînement, donc elle va rentrer, elle va avoir faim. Ils se cassent. Je les vois là, je suis de l'autre côté et ils s'en vont. Oh là là là. Ils en ont marre. Mais voilà, bah ils ont tout gagné. Bravo. Bah bravo, ils ont raison, tiens. On a gagné la bataille de Kia en Almar en premier. Ah non, ils reviennent. Ils tournent là. Ils prenaient un plus grand angle. Ah? Je sais pas en fait. Mais je cherche une caisse de munitions là, mais y en a pas en fait sur le. Là y en a, mais elle est buggée. C'est un peu dommage, j'ai plus de munitions. Putain, mais y a une sirène partout. Je vois deux sirènes. Mais dis pas qu'ils ont coulé. Non, non, ils ont pas coulé, ils sont devant moi. Non, non, ils reviennent. Comment ils peuvent... Ils reviennent là, ils reviennent, ils vont au niveau du dock. Enfin, ils pointent vers le dock. Après, est-ce qu'ils vont au dock ou est-ce qu'ils vont droit sur moi? Je suis sur un talus de terre. Je saurais pas te dire où. Enfin, à côté du dock. D'accord. Mais putain, mais ils viennent droit sur moi. Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Ça sert à quoi? Ils vont envoyer un gars, je crois. Parce que là, ils se mettent en travers. Ils vont peut-être canonner un gars. Ils font demi-tour. Putain, mais je cherche désespérément un coffre de munitions. Putain, mais y'a personne dans la vigie. Ah, il canonne un gars sur moi, oui. Sauf qu'il a raté. Et il est en bas. Ah, par contre, là, il me canonne moi. Et moi, maintenant, je suis en bas. Et du coup, leur pote, il doit pas être loin.
Donc il y a leur pote. Ah, c'est toi ça, putain. Putain, tu m'as fait peur. Il doit être derrière moi en fait, il est tombé. Il est là. Vas-y, bute-le. Je vais avoir du mal. Il m'a niqué. Non, mais j'arrive vraiment pas à viser avec leur putain de mousquet. C'est dommage, c'est dommage. Je suis mort. On est décédé. C'est la fin de ce combat épique. On a plus qu'à danser. Coucou. Merde, je sais plus comment on fait. Je peux devenir ami? Comment ça fait quoi devenir ami? Ah, ça c'est être ami. Alors là, on est les meilleurs amis du monde. Ah, toi, t'as déjà eu la porte? Donc je vois enfin ce que ça fait de quelqu'un qui traverse la porte quand toi tu peux pas traverser la porte. Tu traverses la porte. Ah, bah il disparaît, non? En fait, tu passes au travers de la porte. D'accord. D'accord. Voilà. Ah putain, on a respawn pas loin, on peut aller faire chier. on est pas sur Chicken Isle? Qu'est-ce qu'il fait? Il me tire dessus. Et si on tire en l'air, est-ce que la balle nous retombe dessus? Il y a pas de friendly fire. Ah mais non, c'est avec le petit flingue qu'on la voit la balle. Putain, je l'ai pas là. On voit la balle avec le petit flingue. On peut tirer sur le mat. Moi, quoi? Je vois pas la balle. Hein. Ah mais c'est quoi que t'as? C'est le mousquet? C'est le tromblon ou? Ah si, je vois un point jaune. Ouais, je la vois. Ah oui. Elle est tombée dans l'eau. Fais voir. Ouais, bah écoute, ce fut intéressant quand même. Oh, c'était rigolo, mais bon, on est carrément nul quoi. Ouais. Moi, tu sais, après, faut que j'aille faire des pâtes avec des côtes de porc et une sauce aux champignons et à la crème fraîche. Et à l'ail. Et au beurre. Ça donne envie ça. Ouais. Ouais, ça fait un peu beaucoup de choses, mais. C'est un peu beaucoup de beurre. Je sais pas, c'est parce qu'à la base, c'est au beurre aillé et aux champignons. Et dans la recette, j'ai pas calculé, mais il disait acheter de la crème fraîche. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais, avec les champignons, c'est bon. Peut-être que le beurre, juste, il parfume un peu, mais il est pas là pour... Bon, du coup, tu décolles, hein? Je pense, ouais. Ok. Je pense. Écoute, bah, je te souhaite une bonne fin de chômage, parce que j'allais dire un bon week-end, mais... Bah, t'as... Déjà, on est jeudi, et tout le monde n'est pas en week-end, et toi, tes week-ends sont très longs. Eh oui, mais oui, effectivement. Et bisous. Et ben bon week-end à Nevers, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Pour le petit anniversaire. Parce que c'est. Ah ouais, ah putain, c'est. Ah, excellent. Excellent. Et ben amusez-vous bien. Ah, on va faire ça. On va faire ça, on va tenter. Allez, ciao. Ciao. Bonne nuit. A bientôt. Merci d'être resté sur ce live. On se dit à une prochaine fois. Et pas ce week-end du coup, puisqu'on sera occupé. On fera peut-être d'autres choses du coup. À demain, Angé. C'est vrai qu'on se voit, toi et moi. Allez, ciao. Je coupe ce live. Bonne nuit.